There must be something in the water, and there must be something about your daughter. She said, I love ain't nothing but a monster. My love ain't nothing but a monster with two heads. Gang, on est rendu à l'hôtel. Là, je sais pas si elle est bien nous voir, mais... Non. Ok, premièrement, on doit vous dire que c'est vraiment très luxueux. J'ai jamais été dans une place comme ça dans toute ma vie, là. Puis comme, je m'attendais à ce que l'hôtel soit quand même luxueuse parce que j'avais vu sur internet, tu sais. Mais pour vrai, comme, il y avait un chauffeur qui nous attendait, il nous amenait à l'hôtel. Puis quand t'arrives devant l'hôtel, c'est juste des grosses autos, genre des autos comme des Porsche, puis comme des grosses. Et des taxis. Ouais, un taxi. Bonjour, je suis votre guide. Alors, voici le hall d'entrée. On va garder le meilleur pour la fin, ce qui se trouve derrière ces magnifiques portes. Ici, vous pouvez voir un gigantesque miroir. Comme je disais à Jess tout à l'heure, c'est la première fois que je me vois au complet dans un miroir dans un hôtel. Ouais, parce que l'air est quand même grand, comme vous pouvez voir. C'est l'entrée. Oh, moi aussi. Oh! Ridicule! Attends, attends, j'ai même pas hâte de voir la vue! Ok, c'est ridicule. C'est tellement beau. Oh. À côté de la tour. Ok, on a juste pesé sur un bouton pour le fun, pour aller mettre une lumière, ça donnait que le rideau s'ouvrait automatiquement. Donc quand tu te lèves, t'as juste appuyé sur le bouton. Oh my god! Ah oh, ben ça c'est l'autre rideau! Mais là, tout le monde nous voit en ce moment. C'est qui nous regarde? Mais dans tous les gens là, là. Ouais. Ok, on va refermer les vidéos. Ouais. On peut pas faire les dents en même temps. Ah oui. Ah, c'est bon. Ok, continuons. Ici, on a nos deux lits qui sont, je tiens à dire, plus gros que le mien. On en a un sac. Je pense qu'ils sont vraiment confortables. Ouais, ils ont l'air très confortables. Ici, on a un point bureau. On a quelque chose sur notre main. Attends. Des crayons, genre. Oh mon dieu. Et un adaptateur. Un bureau. Une belle note de quelqu'un qui travaille ici. Wow. Ah ben non. Un iPad. Ok, mais voyons. Ça se peut pas. Oh, oh il charge. Et puis on avait une belle note aussi de L'Oréal. Je sais pas si c'est toi Audrey qui l'a fait là, mais c'est super gentil. Super mignon. C'est peut-être ça qui a parlé. Oh, les petits bonbons. Mais je sais pas. C'est vraiment mignon. Voici la boîte secrète. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Attention. Magnifique boîte. Une télécommande. Mais pour vrai, comme on rit, mais c'est super beau. C'est juste qu'on n'est pas habitué à avoir quelque chose de comme un luxe comme ça. Ouais. On, je m'attendais vraiment pas à quelque chose d'aussi gros que ça, en tout cas. Mais c'est vraiment beau. Et puis là, moi, je suis vraiment. Des pantoufles. Hein? Une serviette de pied à nos pieds de lit. On a même une bouteille d'eau ainsi que oh. Ça. Ok, mais c'est donc mais beau! Petit mot. La salle de bain. Derrière ces fameuses portes. C'est le paradis. Attends, ça. Êtes-vous prêts oui. À rentrer dans le paradis? Oui. La petite musique. Oh my god. Habit noir. Attends, c'est pas tout. Non. En j'ai peur de casser quelque chose. Ça a j'ai hâte d'essayer la douche. Ouais, moi aussi. Tu sais que c'est des pommeaux qui sont. Ouais. Juste... Et ici, derrière cette porte, nous avons des toilettes. C'est malade. Il y a même un téléphone aux toilettes, donc si t'as. Si t'as du mal à chier. Non, mais si tu veux la vieille toilette, comment il est plié. Là, t'as un miroir, je pense, pour. Oh my god, grossir la face. Ouais, rapprocher. Il va voir toutes les impuretés. Il est sûr de la vanité. Et je dois l'avouer, elle est vraiment belle. L'éclairage parfait pour te maquiller. Deux grands miroirs. Puis, les amis, il y a une télé dans le miroir.
On a mis un poste de musique, là, mais ça veut dire que si tu prends ta douche, tu peux mettre ta musique. Bon matin, on est samedi matin, et puis il est rendu 8h15, je pense, le matin. C'est un réveil assez difficile, je dois vous dire, parce que ben moi et Léa, hier, on était vraiment fatigués de notre journée, le vol et tout. Sauf qu'on était vraiment excités en même temps, fait qu'on s'est comme endormi super tard. On s'est endormi, il était presque 2h du matin. Puis qu'est-ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis son ordinateur là, parce qu'il n'y a pas de DVD. Puis on avait écouté Le Roi Lion en se faisant les ongles. Donc on a fait ça. Là ce matin, on a notre horaire là. Fait que ce matin à 9h, on doit être au restaurant de l'hôtel en bas. Puis je pense qu'on rencontre tout le monde là. Ensuite, on s'en va à 10h15 faire nos cheveux, notre coloration. À midi et demi, non, midi et quart, on consulte Loulou Magazine pour notre consultation stylisme et beauté. Ensuite, à 1h, on a comme un casting lounge avec une personne, je sais pas trop c'est quoi. Ah, bonjour Léa. Et à 2h, on a la mise en beauté, genre qui vont nous faire notre maquillage et des retouches cheveux. Je vais vous montrer la vue pour de vrai, là, ça va être mieux voir. Je vais retourner à faire la vue. Ah, d'accord. Ça ressemble à ça. C'est comme un gros bloc d'appartement, là. C'est vraiment beau. Puis la tour, juste là. Ça, c'est vraiment cool comme building, là, avec des espèces de X. C'est vraiment super joli. Donc, c'est ça, là, je me maquillerai pas parce que... Mais comme je me sens mal d'arriver là, pas maquillée, genre, je suis comme vraiment pas mon meilleur parce que ma peau est comme full cernée. Mais ma peau est cernée. Mes yeux sont cernés, puis ma peau est vraiment terne. Genre, je manque de sommeil, là. Mais. C'est comme, je me dis qu'ils vont nous toutes nous préparer plus tard. Fait que je sais pas pourquoi est-ce que je porterais du maquillage. Fait que j'en porterais pas. Laver les cheveux. Est-ce que tu veux dire allô à la caméra? Hi! Et tu fais un petit blague? Oui. On vient d'arriver à l'hôtel, puis finalement ça allait finir quand même vraiment plus tôt là. Mais il faut dire qu'on était séparés en deux groupes. On était les premiers. Nous les Québécoises on était 7, 8? Ouais. Non, on est 2, je préfère. Je pense qu'on était 8. 8. Et les anglophones elles étaient comme, je pense que c'était le reste, ouais. On était 24 là déjà au début. 28? 24? Fait qu'ils sont une bonne quinzaine de l'anglophone. C'est vrai. Eux, ils vont terminer, je pense, plus vers 6h. Ouais. Nous, parce qu'il est juste 4h31. Puis notre souper est seulement à 6h. Non, 7h. À 7h. Puis, oh my god, c'est tellement le fun. Vous avez même pas aidé. Oh my god. C'est le genre de journée qui est comme lundi, on va aller à l'école, puis on va être comme. C'est-tu un rêve? Ouais. Comme toute l'équipe aussi, surtout, là. Comme j'ai jamais vu autant de beau monde, là. Tout le monde était super le fun. Autant. Comme les gens de L'Oréal, les gens de. Les stylistes de Loulou. Moi, j'ai capoté sur une des filles avec qui j'étais tout le temps, là. Elle était vraiment hot. Puis les maquilleuses étaient full bonnes. Ceux qui ont fait nos cheveux aussi. Puis c'était juste. C'était comme une journée de fille parfaite. Comme une vraie journée de fille. Ouais, plus qu'une.
normal, genre. Ouais. Ouais. Puis le photoshoot, ça s'est bien passé, là. On a une experte ici avec nous, parce que Léa a déjà... Oh non! T'as déjà fait un peu de mannequinat. Comment on dit ça? Du mannequinat. Puis on a reçu un petit cadeau aussi de L'Oréal. Je sais pas trop si on va bien voir. Non, okay. On va vraiment pas bien voir. Mais on a reçu cette affaire-là. Là. C'est comme un shampoing, un reptaisant puis un spray pour les cheveux, mais... Je pense que c'est un spray, genre un conditionneur qu'on laisse dans les cheveux pour les hydrater. On a reçu un panier, mais le panier, pour vrai, ça va jamais fitter dans ma valise. Puis il y a plein de choses dedans. Il y a un mascara, une crème solaire, il y a un bâton pour prendre des selfies, c'est vraiment hot. Il y a une bouteille en verre pour faire comme des thés glacés. Un nettoyant, celui-là, je vais m'en donner à quelqu'un vu que j'ai pas une peau grasse. Puis la crème solaire, je l'ai full essayé en plus celle-là. Ça paraît vraiment bonne. Puis mes cheveux. On fait cette teint, mais un petit peu plus foncé là. Je vais juste ouvrir ma lumière. Il n'y a pas grande différence là, mais ils sont plus foncés. Mais ah, oh, ben ça se voit. Mais c'est comme pas noir du tout là. C'est genre un brun foncé. Puis vu que c'est pas permanent, ben dans comme à peu près un mois là, ça va déjà avoir vraiment, vraiment, vraiment pâli. Là. Ça va glisser, puis ma couleur naturelle va revenir. Mais j'aime bien ça là. C'est très joli. Puis les cheveux sont vraiment doux, puis comme super brillants, comme vous voyez là. C'est vraiment beau. Puis moi, puis Léa, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire parce que Speech, c'est à 7 heures, fait que on prend aller se promener là. On va chercher Cara Delevingne. Ouais. La mannequin, Cara Delevingne. Elle est dans le même hôtel que nous en ce moment, genre. Comme quelqu'un l'a vu ce matin rentrer dans l'hôtel. Fait que là, peut-être que c'est comme la chambre à côté de nous, genre. Ça serait malade de la croiser. Bonjour, morse, moi. Mais il fait vraiment beau comme ce matin. Il faisait super nuageux. Puis c'est un peu frisquet, mais là, comme le gros soleil, j'ai de la misère à aller dehors. Puis je pense qu'on va aller se promener, là. C'est super beau. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment de magasin où est-ce qu'on est, là. Mais tu sais, juste promener pour voir les rues. Puis le truc là-bas qu'on trouve bizarre, là. Il y a qu'une petite structure au bout là-bas. Puis on sait vraiment pas c'est quoi, mais. Ouais, moi je vais prendre ça. Ouais. Pour voir un peu la vue. On va y aller. Notre hôtel. C'est tellement long. C'est vraiment beau Toronto, c'est vraiment comme un mix en New York et Montréal. J'habiterai ici. Il y a un spa Caudalie dans notre hôtel. C'est magnifique. On explore l'hôtel en ce moment. Là. On se promène, on cherche la piscine. C'est magique. Oh mon dieu. Ça va être un peu. La piscine avec un sauna qui est là-bas. La piscine. Les lumières. En fait, notre truc est là et on est ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a jusqu'en haut? Comment qu'on peut monter jusqu'en haut? Aucune idée. In the pool. In the pool. Ensuite, là-bas, il y a des spas. Et là, il y a des salles pour que tu relaxes puis t'écoutes la télévision. Ouais, les sofas. C'est n'importe quoi. Vraiment comique. Moi puis Léa, on vient de revenir, de faire une petite promenade dans Toronto, genre, pour voir visite. Puis on est parti il y a vraiment pas longtemps, là, ça fait comme maximum une heure. Là. Ben il est 6h12. On vient de revenir, c'est ça, ça fait à peine une heure on était parti, genre. Puis on revient, puis le service des chambres est encore passé, ok. Puis c'est vraiment drôle parce que à chaque fois qu'on regarde les lits, on fait le lit comme ça, ils nous redonnent une nouvelle bouteille d'eau, ils replacent ça. Tous les trucs qui étaient ici, genre, c'était sur le lit de Léa. Tout ça ici, c'est sur mon lit. Ils ont tout bien placé. Ceux qui ont replié le bord de papier toilette aussi. Check ça. Ils ont vidé les poubelles. Et ils ont replié le papier toilette. On les a même pas utilisés, genre. Puis on a essayé de comme se rendre
aux autres étages, là, puis c'est comme dans l'ascenseur, tu peux peser sur aucun autre bouton que la chambre, ben, que l'étage où est-ce que ta chambre allait. Genre, c'est vraiment bizarre, ça fait automatiquement avec une carte d'accès. On voulait aller voir les suites. La carte, ça ouais. C'est pour ça. Mais c'est trop bizarre, ok, parce qu'il y a des suites ici, genre, mais en haut. Mais ok, notre chambre, c'est la plus basic. Genre, c'est vraiment bizarre, là. Mais ça, c'est la chambre la plus de base qui est ici. Mm-hmm. Après ça, il y a une autre chose. Puis il y a des suites. Les autres choses au-dessus, ils ont des balcons. Ouais. Je pense que c'est la même chose que nous, mais avec, avec un balcon. Puis là, il y a des suites en haut. Mais dans l'ascenseur, il y a 17 étages. Mais il y a clairement plus que 17 étages, là. Quand je vous l'ai montré à l'extérieur, là. Fait que je sais même pas comment est-ce que tu accèdes en haut. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. D'ascenseur. Ouais. Bonjour, on va aller manger dans 45 minutes. Allô! Donc, vous venez juste de voir mon vlog de Toronto. Je sais que j'ai pas comme vraiment beaucoup filmé quand je faisais ma journée du samedi, soit tous mes projets, le shooting pis tout ça. Parce que je voulais vraiment en profiter tout simplement. C'est une expérience d'une vie que je me considère super chanceuse d'avoir, d'avoir pu vivre ça en réalité. Puis je voulais pas m'attarder à trop filmer. Je voulais plus vraiment en profiter pleinement. Profiter du moment présent. Puis je pense que j'ai réussi. Puis après ça, le samedi soir, le dimanche, ça s'est passé vraiment vite là, parce qu'on a pris l'avion le matin. Puis quand je suis revenue ici, j'allais travailler directement. Fait que j'ai comme pas eu le temps de mettre fin au vlog si on veut. En gros, je voulais juste vraiment remercier L'Oréal, Loulou Magazine, vraiment toutes les gens qui ont fait en sorte que cet événement-là a eu lieu. Je pense à Audrey aussi, qui j'étais en contact avec elle tout le temps là, pour la gestion et tout ça, les vols, l'avion, le transport, les trucs comme ça. C'est vraiment super gentil de votre part, j'ai vraiment adoré mon expérience. Je pense que ça a été une des plus belles fins de semaine de ma vie. J'ai eu un gros coup de cœur pour la ville, j'ai vraiment envie de déménager là dans un futur. On se revoit très bientôt, bye tout le monde!